Hello YouTube, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Voilà, je crois que je copie un peu la situation. Effectivement, je regarde ses vlogs d'autres qui sont top. J'aime bien son contenu. D'ailleurs, Léna, si tu passes par là, mets-moi un petit like. Donc voilà, nous voici maintenant dans la garde-robe capsule de Chocolate Gate on Fleek. Voilà, c'est ma troisième vidéo pour la construction, la création et comment faire pour avoir une garde-robe capsule. C'est mon défi du mois d'août que j'ai choisi de réaliser avec Mademoiselle Café. Mademoiselle Café qui, elle, fait un relooking pour le mois d'août. Et je vous mets tous les renseignements sur sa chaîne dans la barre de description. Voilà, si vous voulez voir comment elle est devenue, cliquez sur la barre de description. Voilà, nous voici maintenant pour notre troisième vidéo concernant la création de cette garde-robe. Après avoir défini ce que c'était la garde-robe, puis avoir fait une vidéo sur la construction, comment construire cette garde-robe, maintenant je vous présente enfin les pièces que j'ai choisies pour faire cette garde-robe. Et oui, je répète souvent garde-robe, j'espère ne plus répéter pour le mois de septembre. Voilà. En toute honnêteté, ça n'a pas été si simple que ça. De créer la garde-robe, j'ai dû acheter des pièces parce qu'il me manquait des bas. Vous allez le voir, je vais vous le présenter. Au bout du compte, je suis satisfaite de mon choix. Dans la dernière vidéo, je vous parlais du tri du dressing. Donc voilà, j'ai trié mon dressing. Ensuite, je vous parlais de la colorimétrie. Pour ma garde-robe, moi, j'ai choisi de rester sur le ton un peu orange, marron, que j'apprécie particulièrement en ce moment. Concernant le style aussi que j'ai choisi, j'ai choisi de rester dans un style plutôt casual, un peu chic. Voilà, mais plus casual que chic, vous verrez aussi. Et quoi d'autre sur la morphologie? Voilà, sur la morphologie, comme j'ai une morphologie plutôt en X, c'est-à-dire que j'ai la taille marquée et puis j'ai les épaules et mes hanches qui sont en alignement. Par conséquent, j'ai choisi voilà, des vêtements un peu près du corps, un peu serrés et parfois pas trop serrés non plus, puisque moi j'aime bien être un petit peu à l'aise dans mes vêtements. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez commenter la vidéo, vous pouvez le faire pour m'aider à m'améliorer, bien entendu. Et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Des nouveaux défis, n'hésitez pas à mettre tout ça dans la barre d'infos. Maintenant, sans plus attendre, voici les pièces que j'ai choisies. Je vais commencer d'abord par les bas. Donc premier bas, basique, le jeans que j'ai acheté à Mango. Alors c'est un jeans, on va dire, un peu membre. Les pieds sont comme ceci. La taille elle est comme ceci. C'est une taille haute. Quand on a un petit peu la taille marquée, c'est plutôt pas trop mal de mettre un jeans ou un bas avec la taille haute. Ça vient souligner la taille et la marquer encore plus. Petite astuce. Donc voici le premier jeans que j'ai. Ensuite, j'ai choisi un autre jean, cette fois-ci un peu plus slim au niveau des jambes. Un jeans que je n'ai pas encore porté, que j'ai acheté chez Zara récemment, la nouvelle collection. J'ai hâte de le porter. Donc voilà, deux jeans plutôt basiques qui vont pouvoir s'associer à toutes mes tenues assez facilement. Maintenant, troisième pièce, ce pantalon avec le bas, comme vous le voyez, pas def, un petit peu, que j'ai acheté chez Bershka, que j'ai pas encore porté en plus en ce moment. Voilà, c'est des vêtements que j'ai dû un petit peu racheter pour composer ma garde-robe puisque je n'avais pas assez de bas. Voilà, qui rentre totalement dans mes couleurs que j'ai décidé d'avoir pour ma garde-robe. J'ai hâte de vous montrer tout ça porté. Ensuite, voici un pantalon que j'ai choisi, enfin plutôt pantacourt que j'ai choisi, toujours dans les tons de couleur que j'ai décidé de choisir, enfin que j'ai décidé de porter, que j'avais acheté à Primark, je pense qu'il y a un an ou deux.
Et voilà, j'attendais la bonne occasion de la porter. Je vais pouvoir bien la saigner. Je vais pouvoir bien saigner ce pantalon. Cette fois, voilà. Là, on passe au niveau des jupes. Voici une jupe longue que j'ai choisie. Voilà, sur les tons aussi un peu marron, que j'aime bien. J'aime bien cette couleur, j'adore et tout. Celle-là, je l'ai déjà portée, effectivement. Mais on va la voir ici en essayage. Là, j'ai une autre jupe, un peu plus courte. Ça reste toujours dans le ton des couleurs, avec un imprimé léopard, des petites ficelles ici, un petit peu à volant que je peux mettre pour la fin de l'été, début septembre s'il fait encore beau, ou avec des collants pour l'automne. Sachant que la garde-robe que je vous présente, c'est pour ma garde-robe automne-hiver. Voilà. Maintenant, on va passer au haut. En haut, voilà, j'ai ce petit débardeur ici que je peux mettre aisément sous toutes mes chemises. Surtout que j'en ai une qui est plutôt transparente et ça va très bien aller sous mon haut. Ou si c'est vraiment trop chaud, je peux la mettre avec un petit gilet par-dessus et voilà, me sentir bien. Voici un deuxième t-shirt, un peu plus léger. Comme vous voyez, ce ne sont que des basiques. Vraiment, il faut que ça puisse s'assembler les uns avec les autres. Bien se coordonner. Je ne veux pas réfléchir le matin. Je veux aller vite dans le choix de mes vêtements. C'est pour ça que j'ai choisi des vêtements avec des couleurs très simples, très peu d'imprimés, vous allez le voir, et qui s'associent vraiment facilement. Ça, c'est un t-shirt que j'avais acheté chez Zara l'année dernière, il me semble. Puis voilà, qui est toujours là, qui va me servir pour ma garde-robe capsule. Une chemise manche courte que j'ai achetée à Kiabi parce que effectivement on peut aller dans toutes les enseignes. Je ne sais même pas si on a le droit de donner les noms des enseignes ici, mais je pense que oui. Voilà, petite chemise avec imprimé à rayures. Voilà, j'avais envie de changer. Elle me faisait de l'œil et puis moi j'aime bien. Donc voilà, elle est plutôt blanche, basique, à rayures noires. Voilà. Voilà, qui dit automne-hiver, il va quand même faire frais, le climat va changer effectivement. Alors, il me faut des pulls, bien entendu. Voici mon premier pull que j'ai, toujours couleur voilà, marron, pour rester vraiment dans le ton de mes couleurs que j'ai choisies. Celle-là, j'avais acheté à Camae, voilà. Je pense que je l'ai acheté l'hiver dernier. J'ai repris aussi les vêtements que j'avais hein, quand même. Hein. Voilà, petite chemise aussi, avec une ouverture ici, et ici aussi une petite découpe ici. Vous voyez, le devant il est plus court que le bas, que j'avais acheté à Primark. Et cette chemise, elle est parfaite parce qu'elle représente vraiment toutes les couleurs de ma garde-robe capsule en fait. Cette chemise, je peux vraiment l'associer avec toutes mes tenues. Elle est un petit peu large comme ça, et ça me plaît bien, et voilà, j'ai hâte de la porter. Petite chemise blanche, parce qu'une petite chemise blanche, je pense que c'était un indispensable aussi. Sauf qu'elle est un petit peu transparente ici, vous voyez bien, mes mains le voient bien. Raison pour laquelle j'ai le petit débardeur noir pour mettre en dessous à chaque fois. Que j'ai acheté à Primark, que je n'ai jamais porté. Et là, c'est l'occasion vraiment de la porter. Puisque les vêtements que j'ai ici dans ma garde-robe sont... A priori, normalement, les seuls que je dois porter durant toute la saison automne-hiver. Un petit haut un peu plus habillé que je peux porter avec une jupe, avec tous les pantalons que je vais montrer, qui fait vraiment un peu plus habillé et qui me ressemble et qui reste toujours dans mes tons, qui n'est pas trop serré comme j'aime. Puis voilà, c'est une taille M. Parfois, les tailles M, elles sont un peu larges. Ça, tout dépend de la coupe du vêtement et de la matière. Voilà, vous pouvez, moi je dirais très bien que ça peut être un L, et puis il faut pas tellement regarder les tailles, j'ai envie de dire. Parfois c'est mieux d'essayer et de trouver le vêtement qui vous va le mieux en fait. Un autre pull avec un col pas roulé, un col plutôt remonté rond, que j'avais acheté aussi dans un magasin quelconque, j'aimais bien. Et celui-là, il vient plus
un petit peu me coller au corps sans pour autant me serrer. Et voilà, je trouve que c'est un petit pull qui va aller partout avec toutes mes tenues. Voilà, c'est un petit basique que je peux mettre avec tous mes bas, en fait. On va passer aux robes. Voilà, petite robe noire que j'avais achetée, il me semble, à Géant Casino. Voilà, même à Géant, on peut trouver des trucs aussi sympas. Petite robe noire à avoir absolument dans sa garde-robe avec une petite ouverture ici, avec une petite ceinture ici à la taille, avec élastique ici qui vient vraiment me serrer à la taille, qui n'est pas trop courte, qui m'arrive au niveau des genoux, parce que moi je porte pas des trucs trop courtes. Il faut que ça soit autant habillé, autant pour le boulot, autant pour aller boire un verre et autant pour aller dans un bureau. Et voilà, petite robe noire quand vraiment j'ai envie de ne faire aucun effort. Alors je prends ma robe et hop, une paire de chaussures ou même une paire de baskets et on est habillé. Voilà, ma petite robe noire. J'ai aussi deux robes pull puisque c'est la saison automne-hiver et je trouve que les robes, ça s'habille bien. Par contre, si on a un petit ventre comme moi, on peut porter une petite gaine en dessous. Et vraiment, ça permet de bien cacher son ventre et d'avoir un ventre plat. Voilà, ça c'est ma première robe. Ça reste toujours dans le temps des couleurs que j'ai décidé de choisir. Ça c'est une robe que j'ai depuis, je pense, 2 ans maintenant, que j'avais achetée chez H&M, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et j'adore la porter. Au pire, je vous mettrai une petite photo ici de moi qui la porte. Voici ma deuxième robe pull que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Effectivement, en fait, cette robe, elle est très longue. Voilà, une robe pull, robe longue, petit col, avec les deux en une petite ouverture ici sur le côté, comme vous pouvez le voir. Et voilà, celle-là, je l'ai achetée à Pinky. J'achète mes vêtements vraiment partout, j'ai pas d'enseigne particulière. Je vais vous montrer les vestes que j'ai décidé de porter durant cette saison. C'est parti. Voici ma première veste. C'est une veste, on va dire vintage, puisqu'elle est ancienne. Celle-là, je l'ai trouvée dans mon marché, puisque dans mon marché, parfois, ils font un jour où il y a beaucoup de gens qui viennent vendre des vêtements, un genre de friperie, en fait. Puis j'avais trouvé cette veste. Je trouve qu'elle allait bien avec, finalement, la garde-robe. Alors, du coup, je l'ai essayé et je l'ai pris. C'est une veste plutôt courte et qui fait plutôt habillée. C'est une veste en daim. J'adore cette matière en plus. Voilà, une autre veste noire cette fois. Parce que bah, finalement, le noir, il passe partout. Il passe avec tout. On ne réfléchit pas en le portant. Voilà, une petite veste. Cette fois-ci, un peu plus longue que la première. Et qui va me permettre vraiment d'avoir ce style plutôt chic que casual que j'essaye d'avoir en fait, que j'essaye de vous présenter. Voici la veste. Voilà une autre veste, cette fois mi-long. C'est une veste que j'ai achetée chez Zara, je pense, l'année dernière. Quand je la porte, vraiment, je me sens chic. Là, quel que soit, même si je suis en basket, même si je suis en talent et tout, dès que je la porte, je sens vraiment que là, je monte le niveau. Je monte le niveau dans mon look et j'apprécie vraiment de la porter. Et qui va bien avec le temps de ma garde-robe. On est dans la saison automne-hiver. J'ai décidé pour le moment de vous présenter un manteau. J'ai pris un manteau qui reste dans le ton de mes couleurs un peu plus clair cette fois, que j'avais acheté à Mango l'hiver dernier, qui m'a bien servi. Franchement, j'ai adoré. Dedans, la matière, elle est très épaisse. On se sent tellement chaud à l'intérieur. Surtout que moi, je suis très frileuse. J'ai vraiment besoin d'une matière très forte, une matière qui tient chaud. Et voilà, j'ai mon manteau ici, que j'aime. Ici, avec la ceinture qui vient serrer à la taille. Puis j'aime bien ce côté des petits boutons. Ici, ça permet vraiment de tout fermer
quand par exemple il neige, il y a une tempête et tout, et qu'on veut protéger notre cou surtout. Maintenant, je vous présente mes sacs à main. J'en ai pris que deux cette fois. Donc le sac ici qui va bien avec le ton de mes couleurs. Ce sac ici, autant pour aller au travail, pour sortir, c'est vraiment mon sac de tous les jours. Il y a une lance comme ça et une autre comme ça. Je pense que c'est simili-cuir, très très bien et qui va parfaitement avec toutes mes tenues. Deuxième sac. Et là, un peu plus petit cette fois, petit sac que j'ai acheté chez Bershka il n'y a pas très longtemps. Voilà. On peut le porter vraiment quand on va en ville, quand on a un petit rendez-vous, quand on n'a pas envie de porter quelque chose de très important, si on a une petite soirée, un petit rendez-vous. Voilà, petit sac noir qui va vraiment aller avec toute ma garde-robe. Hier, je vous présente mes chaussures. Alors, pour les chaussures, j'ai choisi de porter trois paires de chaussures pour cette garde-robe capsule que je vous présente tout de suite. J'ai ici cette petite paire de baskets imitation Converse que j'ai acheté à Primark là, il n'y a pas très, très longtemps. Récemment, je les ai portées une fois puisque la petite basket blanche, c'est un indispensable en fait. C'est un basique à avoir dans sa garde-robe. J'avais pas envie de mettre une somme astronomique dans des chaussures Converse pour de vrai, pourtant ça se porte longtemps. J'en ai eu avant, puis là j'avais envie d'avoir juste une petite paire comme ça, facile à mettre et pas trop cher. Voilà, Primark. Je me dis, il faut quand même une paire à talons. Alors en général, je ne suis pas très talent parce que je suis un peu plus sportive. J'adore les baskets, j'en ai pas des tonnes en plus. J'aime bien les chaussures très confortables, plutôt plates. Néanmoins, il faut quand même porter des chaussures à talons quand on est une fille, une femme. À ce titre, j'ai choisi de porter des petites chaussures comme ça, qui a un peu un style un peu kaki foncé, voire marron. Je trouvais que ça allait bien avec ma garde-robe. Et voilà, avec des petites talons pas trop hautes, qui reste quand même féminine, qui permet d'avoir un pied, et puis avec ici cette petite partie là qui vient vraiment féminiser le pied. Je les ai déjà portées aussi, elles ne font pas du tout mal, parce que c'est ça aussi, les talons des fois de les porter ça fait mal et j'aime pas avoir mal aux pieds. Ma dernière petite paire que j'avais acheté il y a très longtemps, je pense que je les ai depuis de nombreuses années, petite paire de derby en fait, qui reste quand même dans mes couleurs, dans mes tons, et qui me fait, enfin voilà, qui va pouvoir s'assortir et se coordonner avec tout mon look. Petit derby, c'est tout à fait mon style, c'est plat, c'est facile à mettre, et voilà, on se sent quand même habillée et puis féminine aussi avec. Voilà, maintenant que je vous ai présenté toute ma garde-robe capsule, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Je vais choisir 15 pièces que je vais vous montrer, porter. Comme ça, vous allez voir, avec 15 pièces, j'ai calculé, je crois qu'on peut faire environ une soixantaine de tenues. Voilà, donc c'est énorme. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Au revoir!